Voici que Dieu n'est plus avec nous. Il est par terre. La meute entale a pris à la gorge comme un cerf. Vous êtes donc venu? Vous êtes vraiment avec nous, Seigneur? On s'est assis sur vous. On vous tient le genou sur le cœur. Cette main que le bourreau tord, c'est la droite du Tout-Puissant. On a lié l'agneau par les pieds. On attache l'omniprésent. On marque à la craie sur la croix sa hauteur et son envergure. Et quand il va goûter de nos clous, nous allons voir sa figure. Fils éternel, dont la borne est votre seule infinité, la voici donc avec nous, cette place étroite que vous avez convoitée. Voici Élie sur le mort, qui se couche de son long. Voici le trône de David et la gloire de Salomon. Voici le lit de notre amour avec vous, puissant et dur. Il est difficile à un Dieu de se faire à notre mesure. On tire et le corps à demi disloqué craque et crie. Il est bandé comme un pressoir, il est affreusement équarri. Afin que le prophète soit justifié qu'il a prédit en ces mots, ils ont percé mes mains et mes pieds, ils ont énuméré tous mes os. Vous êtes pris, Seigneur, et ne pouvez plus échapper. Vous êtes cloué sur la croix par les mains et par les pieds. Je n'ai plus rien à chercher au ciel avec l'hérétique et le fou. Ce Dieu est assez pour moi, qui tient entre quatre clous. Il souffrait tout à l'heure, c'est vrai, mais maintenant il va mourir. La grande croix dans la nuit faiblement remue avec le Dieu qui respire. Tout y est. Il n'y a plus qu'à laisser faire l'instrument qui, du joint de la double nature, inépuisablement, de la source du corps et de l'âme et de l'hypostase, exprime et tire toute la possibilité qui est en lui de souffrir. Il est tout seul, comme Adam quand il était seul dans l'Éden. Il est pour 3 heures seul et savoure le vin, l'ignorance invincible de l'homme dans le retrait de Dieu. Notre hôte est apesanti et son front fléchit peu à peu. Il ne voit plus sa mère et son père l'abandonne. Il savoure la coupe et la mort lentement qui l'empoisonne. N'en avez-vous donc pas assez de ce vin aigre et mêlé d'eau pour que vous vous redressiez tout à coup et criez « Sitio !» Vous avez soif, Seigneur ? Est-ce à moi que vous parlez ? Est-ce moi dont vous avez besoin encore et de mes péchés? Est-ce moi qui manque avant que tout soit consommé?
Ici, la passion prend fin et la compassion continue. Le Christ n'est plus sur la croix, il est avec Marie qui l'a reçu. Comme elle l'accepta promis, elle le reçoit consommé. Le Christ qui a souffert aux yeux de tous, de nouveau au sein de sa mère est caché. L'Église, entre ses bras, à jamais prend charge de son bien-aimé. Ce qui est de Dieu et ce qui est de la mère et ce que l'homme a fait, tout cela sous son manteau est avec elle à jamais. Elle l'a pris, elle le voit, elle le touche, elle le prie, elle pleure. Elle admire. Elle est le suaire et l'onguent. Elle est la sépulture et la myrrhe. Elle est le prêtre et l'autel et le vase et le cénacle. Ici finit la croix et commence le tabernacle. Le tombeau où le Christ qui est mort ayant souffert est mis. Le trou à la hâte décellé pour qu'il y dorme sa nuit. Avant que le transpercé ressuscite et monte au Père. Ce n'est pas seulement ce sépulcre neuf, c'est ma chair. C'est l'homme, votre créature, qui est plus profond que la terre. Maintenant que son cœur est ouvert, et maintenant que ses mains sont percées, il n'est plus de croix avec nous où son corps ne soit adapté. Il n'est plus de péché en nous où la plaie ne corresponde. Venez donc de l'autel où vous êtes cachés vers nous, Sauveur du monde. Seigneur, que votre créature est ouverte et qu'elle est profonde.